Alors, bonjour, bienvenue à ce Facebook Live, à la série Le marketing en temps de crise. Ici sur la page de Gonzo Marketing, nous aurons l'occasion aujourd'hui de discuter des meilleures pratiques pour vos envois de courriel. Donc, tout ce qui est courriel, SMS, infolettre, communication électronique. Dans quelques instants, j'aurai le plaisir de discuter avec Roxane Noiseux et Sophie Lamarche, toutes deux de la firme québécoise Dialogue Insight. On va partager donc les bonnes pratiques en contexte actuel, mais aussi dans la perspective où les choses vont bientôt s'améliorer. On se le souhaite tous. Alors, je laisse Facebook envoyer les notifications comme quoi on est en live. Je vois qu'on est déjà plusieurs à s'être joints, donc super. Mais déjà une minute, alors je vais tout de suite activer, aller rejoindre nos deux amis. Voilà, Roxane et Sophie, mesdames, comment allez-vous ce matin? Ça va bien, merci Eric, on est bien heureux d'être avec vous ce Oui, matin. très bien, merci. Alors, dans la série des Facebook Live qu'on fait pour le marketing en le contexte actuel, j'ai eu le plaisir dans les dernières 2, 3 semaines de parler avec Charlie Fernandez, on a parlé d'Instagram, avec Mathieu Laferrière, on a parlé LinkedIn, avec Philippe Bussière, on a parlé de marketing en général, plusieurs invités, on a parlé d'influenceurs et autres. Et un des sujets qui était, on posait souvent des questions, c'est parce qu'on doit continuer de communiquer, comment communiquer, et l'infolettre, l'envoi de newsletter. Et des courriels, évidemment, est venu de l'avant. Et si on parle du principe qu'il y a beaucoup de gens, il y a plusieurs plateformes, il y a les MailChimp de ce monde, Cyber Impact, Dialogue Insight, Courriella, ActiveCampaign, il y en a plusieurs. Et on est quand même, il y a un souci d'achat local et je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas parler avec une firme bien de chez nous, Dialogue Insight? Alors peut-être nous parler un peu de qui vous êtes. Vous êtes basé à Québec, Montréal. Enfin, après ça, on pourra en discussion un vif du sujet, mais déjà pour les gens qui vous connaissent moins, nous dire qui est Dialogue Insight. En fait, ben, je vais prendre la parole sur ça parce que je suis habituée Ben de oui. présenter l'entreprise. Dialogue Insight, en fait, à la base, c'est une entreprise qui est née en 1980, en 1999. Elle a été fondée à Québec. Puis à la base, ce qu'on faisait, nous, on a été une des premières entreprises à vraiment prendre avantage du courriel. Donc, à l'époque où il n'y avait aucune règle, on pouvait acheter des adresses, envoyer un peu à n'importe qui. Ce n'est plus vraiment le cas aujourd'hui. Mais à cette époque-là, on était là. Puis, donc, on offre un produit qui permet de faire des communications marketing un peu, en fait, qu'on va dire omnicanal ou même multicanal. Donc, on vise, oui, le courriel, mais on utilise aussi les SMS, les web push notifications. On fait du marketing automatique. Donc, c'est vraiment un outil là, qui permet de gérer les communications de façon globale. On est en fait ce que nous, on appelle un Customer Data Platform. Donc, on permet d'utiliser la donnée pour faire des communications qui sont beaucoup plus pertinentes pour les clients. Fait que globalement, c'est un peu la solution, là, si on peut la présenter dans des termes qui fonctionnent pour les gens en marketing. OK. Et donc. Et oui, 100% québécois encore. C'est Ouais. vraiment, on est au Québec, les propriétaires sont ici, les développeurs sont ici. C'est vraiment une plateforme qui donne justement cette flexibilité-là, cette souplesse-là, parce qu'elle est développée et propriétaire. Oui, bon, c'est justement, c'est quand on parle d'achat local, ben, ça se fait aussi dans le milieu de l'électronique et de l'informatique. Hein, c'est pas, les gens pensent les trucs du Ben fermier, puis bien sûr, mais on peut ça aussi existe. dans nos choix. Il y a Ouais. Alors, on Oui. est dans une perspective, et je pense que c'est là-dessus que je voulais avoir un peu la discussion avec vous aujourd'hui. On parle des bonnes pratiques ou des meilleures pratiques au niveau d'envoi de courriel, infolettre, il y a différentes communications électroniques, bien sûr. Oui. Il y a en ce moment, et il y aura éventuellement une après-crise. Si on regarde en ce moment, qu'est-ce que vous voyez dans les bonnes pratiques que vous évoquez? Vous donnez des webinaires d'ailleurs sur le sujet. Moi aussi, je donne des formations sur les bonnes pratiques, en fait, des envois de communication électronique. Qu'est-ce que vous voyez en ce moment qui se fait bien ou qui serait à envisager pour les entreprises, là, dans un contexte où on est à l'arrêt, où il y a beaucoup d'anxiété? Qu'est-ce que vous voyez à ce niveau-là? Ben, je pense qu'il faut que les gens continuent de communiquer avec leurs clients.
Fait que c'est-à-dire qu'il ne faut pas arrêter. Tu sais, on a vu des clients au début qui arrêtaient de communiquer parce qu'ils se sentaient un peu mal. Ils ne savaient pas trop comment le faire. Fait que je pense que c'est vraiment important de continuer à communiquer. C'est peut-être de revoir la fréquence des communications. Il faut peut-être vraiment évaluer la fréquence pour ne pas inonder. Et oui, les gens ont beaucoup de temps. Il y a des gens qui ont du temps, il y a des gens qui ont moins de temps. Mais il ne faut pas non plus inonder les gens. Il faut faire attention aussi à revoir ses objectifs. Exemple, ouais. Détaillant, de revoir l'acquisition versus l'engagement. Je pense que c'est important d'aller engager, de continuer à engager notre clientèle, de ne pas perdre nos meilleurs clients, de vraiment faire la rétention peut-être versus l'augmentation de la dépense. Il y a des choses qu'il faut revoir dans ces objectifs, autant stratégiques que ces objectifs de communication. Ben, et là, je ne peux rien prendre pour acquis, Sophie. Oui. Quels sont justement les objectifs? Parce qu'il y en a pour qui infolette, c'est forcément promotionnel. Donc déjà, dans ce que tu viens de dire, ce n'est pas le cas. Donc, ça ne sont pas les différentes catégories d'objectifs qu'on peut avoir et qu'on peut poursuivre dans l'envoi de communication électronique. Je pense que tu peux rester promotionnel, puis Rossane, tu jump in. Je pense que tu peux rester promotionnel, mais de le faire différemment qu'on le faisait avant. Ouais. Souvent, avant, tu faisais upfront, grosse promotion. Bien là, c'est peut-être d'amener un peu un contenu qui est empathique, qui est créatif, qui fait travailler ton imaginaire, puis après ça, d'amener ta promotion ou d'avoir ta promotion reliée à ce qu'on est en train de vivre, de changer ton produit, de changer ton type de promotion. C'est ça. Exactement. C'est de vraiment adapter. Excuse Sophie, mais je pense que adapter, en fait, moi aussi, ce que je vois, c'est quand on parle d'objectifs de communication, ça ne doit plus être centré. OK, ben moi, je veux vendre tel produit, je lance telle chose, je veux que les gens l'achètent. Parce que le contexte est tellement spécial dans les foyers qu'il faut qu'on pense plus à se mettre à la position de nos clients et dire OK, ben qu'est-ce qu'eux ont besoin en ce moment? Qu'est-ce qu'ils seraient intéressés à acheter? Puis, c'est ça, il faut flipper un peu notre mentalité. C'est sûr qu'à la base, on encourage tout le temps de faire ça, mais là, c'est d'autant plus important parce que ça ne peut pas être on lance ça. Je prends un exemple du Vernois qui font des alcools au Québec, mondial à la SAQ. J'ai vu le propriétaire là, qui est super intéressant sur LinkedIn. T'sais, il dit « j'avais planifié tout les trucs de contingence pour m'assurer que quand on allait faire le lancement, ça allait fonctionner. » Il dit « jamais j'aurais pu penser qu'il allait y avoir une pandémie t'sais, la semaine où je vais lancer mon produit. » Ben, dans ce cas-ci, qu'est-ce que tu fais? Comment tu flippes? Est-ce que les gens veulent recevoir? Est-ce que tu repousses? Comment tu... Il faut tout que tu changes ta stratégie. Tu ne peux pas juste refaire les mêmes communications comme tu pensais que c'était avant. Fait que, il y a beaucoup plus de réflexion, je pense, avant d'envoyer, avant de faire vraiment le bouton de bouton serre, finalement. Ouais. Puis il ne faut pas éviter de valider avec les équipes, d'aller sonder aussi ta clientèle, de faire des tests. Je pense que c'est d'autant plus important pour essayer de s'assurer que ce que tu le fais correctement. Parce que c'est très facile de heurter une marque ou ton consommateur, donc ça a un impact sur ta marque par après. Fait que c'est vraiment de le faire, mais en questionnant tout le temps. Il y avait un commentaire au tout début là, d'Amélie qui demandait si le Facebook Live serait disponible après. Bien sûr, donc la rediffusion, enfin, les gens pourront le visionner. Et j'incite par le fait même à tous les gens qui nous écoutent en ce moment, si vous avez des questions, des commentaires ou autres, n'hésitez pas, on va s'assurer de les adresser. Moi, j'ai un truc que je voulais mettre de l'avant. Petit clin d'œil ici, une caricature que j'ai vue cette semaine. Je voulais avoir votre feedback parce que je trouve très drôle, tu sais. La caricature dit, il y a une marque ici à qui apparemment on a donné notre adresse courriel il y a 3 ou 4 ans qui veut qu'on sache qu'ils sont là pour nous en ces moments difficiles. C'est un clin d'œil, bien sûr, mais qu'est-ce que ça vous dit, ça? Je veux dire, est-ce que c'est quelque chose qu'on doit voir? Des communications, des fois, de gens, c'est comme, est-ce vraiment nécessaire? Moi, ça m'amène... J'ai écrit un article de blog il y a 2 semaines. Je pense qu'il y a eu, quand la crise a commencé, puis vous allez probablement trouver que c'était la même chose, mais moi, ma boîte de courriel, c'était toutes les entreprises qui disaient, tu sais, restez à l'intérieur, voici les updates de l'entreprise, puis envoyez des updates aux 2-3 jours, tu sais. Puis à un moment donné, tu étais comme, bon, ben s'il n'y a rien qui a changé, j'ai vraiment besoin de rester top of mind là-dessus, peut-être pas, tu sais. Puis même nous, à l'interne, on se pose des réflexions. Est-ce que moi, je fais les communications pour Dialogue Insight, je me pose la question, si j'ai rien à dire, je ne vais pas faire un statut sur où en est l'entreprise nécessairement, tu sais. À un moment donné, ça n'intéresse pas nécessairement les gens. Fait qu'il faut faire aussi attention à ça. Puis, c'est sûr qu'il faut travailler sur la loyauté. C'est d'être pertinent. Puis, tantôt, je disais de regarder ta fréquence. Il faut aussi revoir peut-être ta segmentation. Il y a peut-être des segments de ta clientèle que tu vas dire, c'est du
fois, eux autres, je vais les laisser de côté. Je vais m'orienter plus sur un certain segment. Il y a peut-être aussi de regarder un petit peu plus près tes stats, parce que c'est sûr et certain que les gens ne réagissent pas comme ils réagissaient. Est-ce que j'ai un taux de désabonnement qui est plus surélevé? Est-ce que j'ai vu une différence dans mon taux de désabonnement versus mes open rates? Parce que peut-être que j'ai trop de communication, peut-être que mes communications ne sont pas suffisamment pertinentes en ce moment. C'est toutes des guidelines qu'il faut essayer d'aller regarder et s'assurer. On parle beaucoup d'infolettes, de courriels ponctuels, mais il y a tous tes courriels aussi administratifs qu'il faut que tu regardes. Tes courriels automatisés, tes scénarios automatisés de bienvenue, d'augmentation de panier, tout ça, il faut aussi que tu ailles le revoir pour t'assurer ce que les messages sont toujours pertinents. Mm-hmm. Les courriels de bonne fête, rabais de 30% de la semaine parce que c'est ta fête, ben peut-être qu'il va falloir revoir cette offre-là. Fait qu'il faut s'assurer d'aller voir tous nos scénarios, toutes nos séquences automatisées, aller voir les messages, aller voir comment le déclenchement se fait pour voir est-ce qu'on a des choses à rattraper, à corriger pendant la pandémie. Tu peux aider aussi ton service clientèle avec tes courriels. Tu as une surcharge d'appel au service clientèle. Je pense à certains détaillants qui font de la livraison, des choses comme ça. Ben, peut-être qu'il faut aller ajuster nos messages. Peut-être qu'on peut aider notre service clientèle en mettant un formulaire pour gérer la demande et être capable de catégoriser la demande. C'est des choses qu'on a fait avec certains clients. Ça le fait en sorte que ça enlève une pression sur un département en ce moment et ça aide les autres départements à pouvoir avancer. Le courriel peut aider à faire ça. Il faut juste se questionner puis regarder toute la totalité des communications qu'on fait puis dire qu'est-ce qui est vraiment nécessaire et comment je le fais. Il y a un paquet de choses que tu as dit là-dedans, effectivement, qui sont super pertinentes. Revisiter ce qu'on fait. Déjà, la segmentation, t'as visité ça rapidement, mais je connais tellement d'entreprises, moi, qui ne prennent même pas la peine de faire une segmentation. Je me dis qu'en ce moment, peut-être que c'est plus nécessaire que jamais, faire des tests, réévaluer ce qu'on fait. Donc, j'aurais envie, vous avez préparé un petit PowerPoint avec, j'aurais envie qu'on le regarde ensemble, parce qu'il y a des exemples pratico-pratiques, je pense que les gens vont apprécier. Puis après ça, on va peut-être terminer avec... What's next, c'est comme les prochaines étapes, une préparation de sortie de crise, parce que sortie de crise, il y aura. Donc, je vais juste voir ici, en mettant ça de l'avant, vous nous présentez quelques bons exemples, et je pense que le premier ici, il vient de Garneau. Peut-être nous dire ce qu'il y en est. Oui, ben, je peux peut-être en parler. C'est un newsletter qu'on reçoit habituellement de Garneau, puis souvent, il va être là, il est dans sa forte saison, évidemment, de vélo. Habituellement, il aurait vendu les vélos pour l'extérieur, tous les vêtements. Ben, il a réorienté son message pour pouvoir communiquer avec nous, les vélos stationnaires, parce qu'il fallait rester à la maison. Fait qu'il a adapté son produit. Donc, il a su adapter son offre à la saisonnalité. Puis, il a mis un peu d'empathie. Fait que je pense, tu sais, il est resté promotionnel. Il vend quand même un produit, mais il l'a adapté par rapport à ce qu'on vit. Ah, excellent. Un aspect intéressant de Garneau aussi, puis peut-être des gens vont... Moi, j'ai lu ça dans ce que je fais beaucoup de recherches, évidemment, sur les courriels, parce qu'il y a un besoin personnel dans les communications de Dialogue Insight. Mais il y avait une personne qui avait écrit dans un article que j'avais lu qu'il fallait faire attention aux photos qu'on choisit. Oui. Parce que les photos, veut pas, dans les communications, ça l'amène une émotion. Ça évoque quelque chose, surtout pour quelqu'un qui a tendance, soit, je ne sais pas si vous avez un haut pourcentage d'ouverture sur mobile, ben, les gens vont avoir ça. Ce qu'ils vont voir en premier, c'est l'image. Puis, étant donné qu'on est beaucoup, on est coincé à la maison, on n'a pas une réalité nécessairement comme habituelle, il faut faire attention aux photos qu'on choisit. Parce que, par exemple, une personne qui court dans le grand air, dans un champ, ou en ville où il y a plein de gens, mais peut-être qu'en ce moment, ce n'est pas la meilleure image à évoquer. Ce serait mieux d'avoir une image d'un tapis roulant d'une personne à l'intérieur parce que ce que tu amènes, tu évoques en fait un peu les comportements, tu émules ce que tu veux que tes clients fassent. Fait que les choix de photos peuvent être importants. Il faut faire attention aux mots qu'on choisit. Même chose, il faut évoquer la bonne chose. Fait que à la limite, il faut se dire que chaque mot qu'on choisit est important, puis c'est beaucoup dans le ton. Si tu peux me permettre, c'est pas juste au niveau des infolettes, je pense que c'est dans toute communication, hein, sur les médias sociaux, à télé, radio, des fois on voit des pubs, là, ça paraît que c'était fait la dernière semaine versus d'autres que ça paraît que c'était fait il y a 3 mois. Oui, exactement. J'en voyais un hier, je regardais, quelqu'un me montrait 2 infolettes dans l'ameublement, puis une infolette, tu voyais qu'il tapait beaucoup sur la saisonnalité. C'est le temps du barbecue, c'est le temps des terrasses qui commencent. Puis l'autre infolette, qui elle a adapté, parce que oui, c'est vrai que la période
techniquement, c'est dans ton planning de contenu, tu aurais parlé de meubles de terrasse et de barbecue, mais lui a adapté, il a dit, ben non, sais-tu quoi, c'est peut-être le temps de vendre des petits bureaux maison, comment mieux organiser ton espace de travail. Fait qu'ils ont su adapter vraiment par rapport à ce qu'on vivait, au lieu de dire, ben non, c'est ma saison de barbecue, je parle du barbecue. Puis il y en a qui l'ont agrémenté, ils ont continué à parler du barbecue, mais ils ont amené plus une tendance, plus de donner des trucs versus juste vendre le produit, parce que probablement que les gens n'achèteront pas le barbecue demain matin. Vous avez également un exemple du Musée des Beaux-Arts. Oui, la générosité. La générosité est très importante présentement. Puis le Musée des Beaux-Arts, ce qui est le fun, c'est qu'eux autres ont décidé d'extensionner leur offre. Fait que, mettons, tu es un abonné, ton abonnement est pour un an. Ben, on dit, bon, ben, OK, on va l'extensionner pour la période de la pandémie. Fait que tu ne perds pas, en tant que client, toi, tu ne perds pas du tout accès à ce que tu avais. Mais la question de la générosité est bonne aussi. Puis c'est sûr que quand c'est facile quand c'est un abonnement de dire, bon, ben, est-ce qu'on se pose la question, tu sais, la STM l'a fait, tu pouvais canceller tes mois parce que si tu n'utilisais pas ta Opus. Mais ça peut être aussi d'éviter, tu sais, si vous faites, par exemple, une campagne de bonne fête ou qui dure normalement, je ne sais pas, un rabais qui va durer quelques jours, ben là, vous pouvez dire, on ne met pas de date de fin parce qu'en ce moment, on veut pas mettre l'urgence sur la dépense des personnes. Tu sais, il faut vraiment évaluer un peu comment est-ce qu'on peut être généreux parce que c'est un aspect très important en ce moment. Ouais. Vu la situation là, économique de plusieurs personnes, tu sais, c'est pas tout le monde qui est dans les moyens comme habituellement. Fait qu'il faut se poser un peu aussi au niveau des offres. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on donne plus de contenu? Si vous êtes une entreprise au niveau, je sais pas moi, en B2B, en service, puis c'est de vous dire, OK, ben normalement, je fais payer pour telle chose, là, je peux me permettre de l'ouvrir. Ce genre de choses-là, ça va rester dans la tête des gens pour après, là, ça, c'est sûr. Ouais, Générosité peut être dans le contenu tout simplement aussi. C'est pas toujours obligé, tu n'as pas les moyens de faire des offres plus agressives. Ben, c'est peut-être d'offrir plus de contenu à ta clientèle ou de donner des idées à ta clientèle. Justement, il y a l'exemple de Cinéplex à l'écran que vous me vouliez proposer, je crois. Oui, c'est ça. Ben, en fait, Cinéplex, c'est intéressant parce que c'est sûr que le but de Cinéplex, c'est qu'on aille dans les salles de cinéma. Mm-hmm. Ça va pas arriver de si tôt, évidemment. Puis moi, avoir été Cinéplex, c'est une marque qui est sortie de ma tête parce que j'ai beau me dire je vais aller au cinéma, je peux pas. Ben, c'est une façon de rester top of mind. C'est une façon aussi d'avoir un peu cet esprit de communauté-là parce que je trouve intéressante cette communication que moi j'ai reçue. C'est qu'ils ils encouragent en fait ce qu'ils appellent des Twitter Watch. Là. Donc, c'est toutes des personnes qui regardent ensemble et qui vont pouvoir tweeter avec certains acteurs de films. Donc, tu sais, c'est quand même de rester dans le quotidien des personnes. Fait que même si on n'a pas un offre qui est reliée ou qui a un effet par rapport à COVID, ben, on peut quand même essayer d'entertainer un peu les gens. C'est un autre aspect des communications. Je pense que personnellement, il y a deux axes à prendre en ce moment quand on fait des communications pour le temps de crise. Le premier, c'est ce que nous, on appelle embrasser l'ennui. C'est-à-dire que prenez pour acquis que la plupart des personnes avec qui vous communiquez sont soit à la maison, pas en train de ne pas travailler ou font des journées de 9 à 5 normales ou sinon, ben, ils sont dans des services essentiels puis probablement qu'ils font beaucoup d'heures puis c'est des gens fatigués. Mm-hmm. Donc, il faut essayer de jouer un peu sur... C'est sûr que là, c'est de la grande segmentation ou à l'intérieur de ça, il y a nécessairement des segments. Mais tu sais, il y a les gens qui ont du temps pour avoir du plaisir, pour se divertir, qui ont des familles à la maison qu'il faut qu'ils essaient de tenir occupés, des enfants. Puis, il y a des gens, en fait, qui veulent se faire former. Fait qu'on a comme deux tons, je pense, qui sont plus gagnants que d'autres. Si vous vous assurez de vouloir divertir les gens ou, en tout cas, de leur donner de l'information qui va leur être utile pour s'intéresser à autre chose, c'est le temps. C'est vraiment le temps de le faire. C'est ce que j'ai trouvé intéressant là, de Cinéplex, c'est de réinterpréter un peu son nom. Puis en même temps, si tantôt on parlait de rester engagé auprès de ta clientèle, ben c'est un bel exemple pour rester engagé. Tu n'as pas nécessairement quelque chose à vendre, mais tu continues à engager ton client avec ta marque. Puis il y a CEPAC aussi qui a fait quelque chose qui est intéressant, qu'on va voir tantôt. Ouais, qui est intéressant aussi dans sa créativité, mais qui reste aussi dans l'engagement par rapport à sa clientèle en offrant du contenu qui est différent que ce qu'on pouvait s'attendre, mais qui est quand même relié à la marque. Fait que c'est intéressant à ces niveaux-là de travailler ça avec ta clientèle. Fait que ça prend beaucoup, beaucoup de créativité au niveau des équipes, évidemment, puis de flexibilité de se changer notre optique rapidement. Justement, j'ai mis l'exemple de la CEPAC à l'écran. On pourra revenir sur celui de la SAQ, mais la CEPAC parlait de réinventer son core business parce que les parcs sont fermés en ce moment. Oui, c'est fantastique. Ben, qu'est-ce que tu fais? Je peux pas aller dans les parcs, mais tu me dis, fais du camping chez vous.
Puis donne-moi tous les trucs du camping à la maison ou de sortie à la... Tu sais, c'est vraiment fantastique. Je peux faire mon camping, j'ai la bouffe, j'ai tout ce qu'il faut avec. Et c'est relié avec ce que je m'attends de la CEPAC à quelque part. Fait qu'il continue à vraiment agrémenter sa clientèle, mais il fait de façon différente. Puis en plus, il travaille avec des partenaires d'ici. Fait qu'il travaille sur deux pôles, le local, le partenariat et l'empathie puis de la créativité. Parlant de local, SAQ qui incite à consommer local, mais aussi avec des politiques de livraison adaptées, c'est ça? Oui, bien ça, c'est un aspect intéressant, les communications. Si vous, dès que vous avez, je pense, des modifications au niveau de vos politiques, c'est sûr que si vous êtes un détaillant, vous faites de la livraison à la maison, puis vous avez des délais qui sont plus longs que d'habitude, vous avez des mesures qui vous... qui peuvent. En fait, moi, je sais que si je fais de la commande en ligne, bien, j'aimerais ça savoir que la façon dont mon paquet a été traité a été fait avec des mesures sanitaires. Fait que c'est le genre d'informations qu'il faut partager aux gens. Puis, ce qui est important aussi à mentionner dans cette... dans ce genre de communication-là, c'est que ce n'est pas une information que je veux avoir juste à la fin de ma commande. C'est que ça peut influencer les décisions que les gens vont prendre aussi dans les types de compagnies avec lesquelles ils vont faire affaire. T'sais, si on se fait dire « votre commande va être traitée dans un mois et demi », ça se peut que la personne dise « j'en ai besoin plus rapidement, fait que je ne pourrais pas acheter avec vous ». Mm-hmm. C'est de l'information, en ce moment, il faut avoir cette transparence-là, même si ça peut affecter nos clients, mais c'est pire de ne pas le faire et de ne pas répondre en fait aux attentes des gens. Fait que d'avoir des indications au niveau des politiques qui changent comme ça, c'est important tout au long du processus d'achat, mais aussi dans les courriels envoyés. Oui, puis de faire des suivis aussi dans toutes ces panoplies de courriels-là, d'administratifs par rapport à une commande, de vraiment faire un suivi régulier avec la clientèle, peut-être encore plus fréquent que ce qu'on est habitué, parce que des fois, les commandes sont un petit peu retardées. Bien, de tenir au courant le client qui a acheté, je pense que c'est très important. Et de leur démontrer aussi, comme Roxane disait, tout ce qu'on fait au niveau sanitaire pour s'assurer que le livreur va être correct, mais également de demander la même chose à son client, de le dire. N'hésitez pas à nous dire si vous êtes malade ou si vous avez été en contact. Il y a beaucoup de clients qu'on a vus qui ont vraiment adapté toute leur série de courriels, je pense que c'était Bro, où on a adapté toute la série de courriels pour vraiment passer le message qu'est-ce qu'eux font et qu'est-ce qu'on demande à la clientèle de faire. Puis il faut le faire à répétition dans différents contacts avec nos clients. C'est très important. Moi, je pense que la fréquence, la constance, hein, toujours des règles d'or quand on communique avec la clientèle. Donc, on a parlé de CEPAC tout à l'heure. Le Polar Bears Club également, qui prépare la prénom. On n'a pas énormément d'exemples, mais ça revient un peu à la conversation qu'on avait avant de commencer le live, là, mais c'est sûr que le pendant, pour nous, c'est un petit peu plus facile de donner des conseils parce que là, ça fait quelques semaines qu'on vit, on a vu des bons coups, il y a certaines entreprises qui... Puis honnêtement, c'est difficile d'avoir un coup de circuit à tout coup, là, qu'on envoie un courriel, des fois, on va faire des petites erreurs, puis on s'en rend compte par après. Mais le après, ce qui est dur à évaluer, c'est qu'on ne sait pas quand ça va commencer, quand ça va reprendre, puis on ne sait pas non plus comment ça va reprendre. C'est sûr que c'est difficile d'évaluer c'est quoi des bons coups au niveau de communication, mais ce qui est intéressant du Power Bears Club, c'est qu'encore là, ils sont fermés parce qu'ils ne peuvent pas être ouverts, ce n'est pas un service essentiel. Mais tu vois qu'ils veulent, un peu comme on disait avec Cineplex, quand même rester présents. Donc, ils mettent une offre qui est assez abordable. Donc, tu sais, un prix de 25 $, moi, c'est ce que j'appelle un prix d'entrée, là. Donc, ce n'est pas un prix qui est catastrophique. Les gens ne vont pas se faire « Ah, mais je ne peux pas me le permettre ». Puis, c'est un service quand même intéressant parce que peut-être qu'en ce moment, on est plus stressé. Puis d'être dans un spa par après, ça peut être bien. C'est de réinterpréter un peu aussi ce qu'on peut faire. Ben, puis ça génère du cash flow, on s'entend. Là. Je pense que c'est le prix d'avoir les sorties. Oui, totalement. Après, on parlait du après un peu. Tu sais, le après, les gens vont probablement avoir beaucoup à récupérer sur les revenus. Il va y avoir beaucoup de pression sur les différents annonceurs. On aura l'occasion de revenir à l'après, mais je trouvais ça intéressant parce que vous nous avez quand même sorti deux, trois exemples de faux pas. Alors, pas qu'on veuille tourner le fer dans la plaie, mais peut-être nous parler de Flight Trippers pour commencer. Oui. C'est comique parce qu'au début, Flight Tripper, j'avais trouvé qu'il y avait eu il y avait eu des belles opportunités. Puis à un moment donné, quand on a regardé un autre courriel, il avait manqué un petit peu au niveau de son opportunité. Il n'est pas surpris au complet. Oui, c'est parce que ce qui est intéressant, puis ça revient un peu à ce que Sophie disait tantôt, mais honnêtement, de revisiter les campagnes automatisées, en ce moment, c'est essentiel parce que je suis convaincue qu'il y a plein d'entreprises qui n'y ont même pas pensé. On pense plus aux communications ponctuelles.
mais tout ce qui est automatisé, c'est par exemple Flytrippers, tu vois très bien qu'ils ont mis des contenus automatisés dans leur courriel, ce qui fait en sorte que mettons, les deals au niveau des voyages vont s'installer dans certaines sections de leur courriel, mais en ce moment, il n'y a aucun deal parce que tu ne peux pas voyager. Fait que là, le courriel, il est vide. Tu sais, c'est voici le deal de billets d'avion du jour, puis absolument rien. Donc, tu sais, tu fais comme, bon, ben, tu lis ça, ça n'a pas l'air excellent, puis c'est à deux endroits dans le courriel. Moi, c'est ça que j'ai trouvé drôle. Ouais. Mais ce qui est intéressant de Flytripper, c'est que le milieu du courriel, ils vont mettre du contenu super intéressant. Ouais. Tu sais, c'est comme, c'est un bon pas, il y a des faux pas, mais il y a quand même des bonnes approches. Fait qu'il faut faire attention sur les campagnes automatiques, ce genre-là aussi. Là, je n'ai pas un exemple concret, mais je sais qu'il y avait un qui avait utilisé ça de manière humoristique, là, il y a 2 ou 3 semaines, justement, en disant, ben, les deals du jour, c'était genre Balconville ou Terrasse. Mais ça, c'est intéressant. Non, mais tu sais, tant qu'à pas voyager. L'humour, ça peut être super bon à traiter aussi, justement, pour amener un peu de dynamique dans tout ça. Ouais. Vous aviez aussi un exemple de Fruit Passion. Oui, qui était, tu sais, il était promotionnel. Le produit est vraiment relié à ce qu'on vit. C'est des produits nettoyants. Donc, l'offre est correcte. Je pense que c'est juste dans la façon qu'ils l'ont amené. Ils ont peut-être manqué un petit peu d'empathie puis de contexte par rapport à la façon d'amener l'offre. Puis ça, c'est important aussi de le faire. Oui, je veux vendre du savon. Oui, c'est important d'acheter du savon, mais peut-être de l'amener d'une façon différente aurait été mieux pour la clientèle, puis son impact aurait été encore mieux, puis l'effet aurait été là, je veux dire, il aurait vendu du savon, c'est quand même le même produit, mais c'est juste la façon de l'amener dans ce cas. Ça fait aucunement référence à le... Ben, tu sais, il aurait juste pu mettre un titre, là, on est à la maison, il faut se laver les mains souvent, pourquoi pas avoir les mains qui sentent bon, là, ça aurait pu être simple comme ça, puis on est un peu plus dans le contexte. Ça m'amène aussi à une statistique que je voulais placer parce que je la trouve intéressante. J'ai lu hier une petite étude qu'une entreprise a fait qui disait qu'il y a 75% des gens qui trouvent ça irritant, en fait, d'avoir des courriels qui sont traités comme si c'était business as usual. Ouais. Fait qu'ils mentionnent aucunement la situation dans laquelle on est, autant économiquement que socialement. Fait qu'il faut vraiment tout le temps avoir quelque chose qui fait référence à ça. On ne peut pas juste envoyer pour... Parce que ce courriel-là, on aurait pu l'avoir reçu en décembre dernier. Là. Ben exactement, puis on ne le saurait pas, tu sais. Ouais. Ouais. Puis c'est pas ça, mais le choix des produits est bon. C'est ça. C'est pas difficile de réorienter ton message, puis c'est pas toujours de parler de la pandémie. Des fois, c'est juste de faire une tweet, comme Roxane disait, d'amener, bien, c'est le fun d'avoir des mains qui sentent bon ou d'avoir un produit qui est plus hydratant parce qu'on se lave plus les mains. Des fois, c'est juste de faire un clin d'œil par rapport à la situation, puis les gens comprennent que, bien, regarde, oui, t'as adapté ton message aujourd'hui. Exact. On a un dernier exemple avec Urban Barn. Ouais. Ben, ce qui est intéressant, c'est que tu lis le titre, transformer vos espaces, fait que tu dis, on est à la maison, ben oui, peut-être que je pourrais, changer mes coussins, ce genre de choses-là, ça a l'air inspirant. Puis, quand tu te mets à lire un peu le texte en dessous, ça parle en fait de l'histoire des magasins qui a ouvert il y a 20 ans. Donc, déjà là, de faire référence aux magasins alors qu'ils sont probablement fermés, c'est pas le meilleur moment non plus. Puis ça fait en fait aucunement référence à, encore là, la situation dans laquelle on est, puis c'est trop orienté. Nous, on veut vous présenter le fait qu'on a changé de look et non pas un peu plus dans un contexte client, puis pourquoi ça l'intéresserait les clients d'aller regarder ça en ce moment, tu sais. Fait qu'il faut vraiment plus penser client que penser nous-mêmes puis le message qu'on va envoyer. Je pense que c'était... c'est ça. Hey, c'est cool. C'est des bons exemples. Donc, on se retrouve maintenant. On est mi-avril. donc, les communications, le pendant, on a eu des bons exemples. Qu'est-ce qui pourrait être, si j'avais à vous demander, mettons, Roxane, un conseil, Sophie, un conseil ou un truc pour, mettons, les prochaines semaines, le truc infaillible selon vous en tant qu'entreprise, puis on s'entend, là, il y a des OBNL, il y a du détaillant, il y a des écoles, il y a des auberges, toute industrie confondue autant que possible, ça serait quoi, Roxane, ton takeaway peut-être en sortie de crise là, sur lequel on devrait peut-être mettre l'emphase à ton niveau? Moi, puis je me base un peu sur mon expérience depuis quelques semaines encore là, avoir à écrire mon style de communication. Keep it simple. Honnêtement, je pense que t'es mieux d'en faire moins possible, mais très bien réfléchi, puis que ça a un vrai avantage client que d'essayer de garder la même fréquence, d'essayer de vendre les mêmes choses.
ça se peut des fois qu'on ait de la pression qui vienne d'en haut, mais il faut vraiment mentionner qu'il faut, à la limite, il faut aller chercher des statistiques sur le fait que les taux des abonnements sont plus élevés, on fait trop de communication, si on n'est pas pertinent, mais vraiment keep it simple. Tu sais, des fois, moi, je me mets même à écrire des longs textes, puis je veux avoir ce côté empathique-là, puis me mettre à la place des gens. Des fois, je me rends compte que finalement, je peux pas parler à tout le monde, justement. C'est difficile de voir les situations de tout le monde, fait que je suis mieux. Bon, je vais mettre moins de textes, je vais juste essayer d'être généreux, mais sans vouloir trop en faire. Puis pour moi, je pense que c'est les communications qui fonctionnent le plus. C'est celle que je vois le plus d'interaction puis d'engagement aussi dans ce que je fais. Le principe « less is more », finalement. Ouais. Ouais, définitivement. Définitivement. Tu sais, moins d'images. Les contenus sont inutiles en ce moment. Il faut les enlever. Il faut vraiment aller droit au but. Puis s'il faut vraiment communiquer sur quelque chose, on le fait. Mais si ce n'est pas nécessaire, posez-vous vraiment la question si vous en avez besoin. Parce que les gens ont du temps. Tu sais, les taux de désabonnement ont nécessairement augmenté dans beaucoup d'entreprises. Parce que là, on a le temps de regarder nos courriels et de se dire « ça ne m'a jamais intéressé. Ben là, je vais me désabonner. » Tu sais, parce qu'on a le temps justement de regarder notre boîte de courriel. Il faut faire super attention à ça. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, parce que si les gens se désabonnent, peut-être que ça faisait un bout de temps qu'ils pensaient et qu'ils n'étaient plus vraiment intéressés. Fait qu'à la limite, tant mieux. Là, peut-être il y a un nettoyage qui se fait, mais on s'entend. Un nettoyage naturel, tout à fait. Mais si c'est parce que c'est trop abondant, là, c'est parce que vous avez, dans le fond, peut-être ouvert la porte. Exact. Oui. Ouais. Tu sais, nous, je reçois encore, vous avez sûrement remarqué, là, mais avant la crise, moi, j'en recevais des entreprises qui m'envoyaient 2 courriels par jour. C'est pas nécessaire d'envoyer 2 courriels par jour. Il y a des gens qui. Il y a encore des entreprises qui le font aujourd'hui. Là. Ça, c'est jamais une bonne pratique parce que tu rends plus. L'irritant est là, mais là, aujourd'hui, tout ce qui est irritant est comme. Tu sais, est encore plus gros. On le voit de plus en plus. Fait faut vraiment pas aller dans cette axe-là. Là. Fait que, ouais, laissez-moi, pour moi, c'est ma clé que moi, j'utilise même, que j'applique là, quand je fais mes propres courriels, mes propres communications. Toi, Sophie? Moi, je dirais peut-être, suite à ça, d'adapter aussi beaucoup tes communications puis regarder le contexte dans lequel tu te trouves, toi. C'est-à-dire de voir comment ça a impacté ta business puis qu'est-ce que tu te dois de communiquer à ta clientèle. Chacun est différent. Exemple, tu as fermé ta business, je pense à des spas, mettons, ils ont fermé momentanément. Ben, peut-être qu'il va falloir avoir une séquence de courriels de welcome back pour réapprendre à la clientèle à revenir nous revoir. Je pense à des municipalités qui ont changé peut-être, qui ont fermé certains services, ils ont poussé les dates des taxes. Ben, peut-être qu'il va falloir recommuniquer différemment, donc adapter nos communications à notre clientèle, peut-être rappeler plus souvent les dates de taxes, des choses comme ça. Fait que je pense qu'il faut vraiment aller voir ce sur quoi ça nous a affecté, qu'est-ce qu'on a dû changer dans notre approche auprès de notre clientèle pour aller adapter nos différentes communications auprès de nos clientèles. Parce que moi, ça va avoir changé. Puis il y a peut-être des comportements aussi de clientèle qui vont avoir changé. N'hésitez pas à aller regarder vos bases de données, vos segmentations. Est-ce que la segmentation a changé temporairement? Est-ce que le comportement a changé temporairement ou vous voyez une continuité dans le changement du comportement de vos consommateurs pour après ça réadapter vos stratégies? Je pense qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de changements au niveau des stratégies, des budgets qui sont réalloués. Fait qu'il va falloir se servir de flexibilité, puis penser beaucoup, beaucoup aussi que le consommateur, oui, il est votre client ou votre contact, mais il est aussi le client et le contact de multitudes d'autres entreprises. Et les gens vont être ensevelis de courriel quand tout va reprendre. Fait qu'il faut se démarquer dans ça, puis il va y avoir une pression commerciale sur le consommateur énorme. Il va falloir travailler dans... On va tous se battre pour le même consommateur. Et puis, je fais du pouce sur ton point, effectivement, au niveau des bases de données. Moi, de ce temps-là, je parle avec plusieurs PME, puis c'est un des conseils, justement, c'est en ce moment où c'est plus tranquille, pour ne pas dire à l'arrêt pour plusieurs entreprises, c'est peut-être le bon moment, justement, d'aller voir dans les bases de données, puis faire un minimum de segmentation. Dans certains cas, il y en a qui n'ont pas du tout. Fait que, tu sais, anglo, franco, mettre des tags par intérêt ou par type de client, client récurrent, client une fois par 3 ans. Oui, je pense que ça va être un bon temps pour... Ça va être le meilleur moment, en fait, pour vraiment s'en aller dans le marketing de personnalisé parce que ça ne pourra plus nécessairement traiter... Encore, ça revient à ce que je disais tantôt, mais ça ne pourra plus être
ben moi, je veux vendre, parce que là, on va probablement vouloir retourner en croissance, augmenter nos ventes. La réalité client aussi, là, c'est que c'est pas tout le monde qui va se mettre à avoir un emploi du jour au lendemain, là, tu sais. Les gens qui sont, fait qu'il faut aussi considérer ça. Puis, comment est-ce que, tu sais, si vous connaissez un peu vos segments, vous allez peut-être être capable de dire, bon, ben, probablement que ce segment-là doit être dans ce genre de situation-là. C'est le temps aussi de faire des campagnes de A/B test, tu sais. Fait que partez pas, il faudra pas partir en fou puis se remettre à comme on était avant, parce que ça sera pas fait de la même façon du côté de la société. On va pas refaire un 0 à 100. Fait qu'il faut pas que le 0 à 100 soit fait aussi du côté des entreprises. Pour ajouter à ça, la pertinence des communications, ça fait longtemps qu'on en parle de la perso, de la pertinence, le message est pertinent, mais je pense que ça va devenir encore plus vrai, de vraiment aller sonder, tester, comme Roxane disait, pour essayer de trouver la pertinence la plus pointue à tes différents clientèles. Il y a une question d'ailleurs là-dessus et je vais la mettre de l'avant parce que je vais avoir votre son de cloche. Moi, j'ai mon opinion sur la chose, mais il y a Cyril qui pose la question. Il dit, alors pourquoi ne pas trouver un autre canal de communication que l'emailing si tout le monde le fait? Ben, à la base, vous devriez toujours avoir plus d'un canal de communication. Oui. Peut-être quand même qu'en ce moment, c'est la meilleure façon d'évaluer c'est quoi le canal qui fonctionne le plus. Oui. Parce que je pense qu'en ce moment, on vit dans un univers numérique plus que jamais. Je veux dire, tous nos univers physiques qu'on avait tendance à utiliser ne sont plus là. Fait qu'on est tous dans le digital. C'est sûr que l'environnement, les médias sociaux est important. Les gens sont là, juste comme je disais tantôt, pour se divertir, pour passer du temps. Fait qu'imaginez le contenu en ce moment qui est regardé en ligne, je veux dire, doit être croissance exponentielle par rapport à ce que c'était avant, puis était déjà énorme. Fait que oui, c'est peut-être le moment de se dire, OK, bien, mes courriels fonctionnent, peut-être fonctionnent pas, ou c'est quoi, en fait, c'est quoi l'axe que je donne à mes courriels? Oui. C'est quoi, comment je vais intégrer ça à mes médias sociaux? Est-ce que le SMS, par exemple, est une tactique que nous, on parle depuis un bon moment, puis qu'au Québec, on utilise presque pas. C'est vrai. Puis on a un bureau, nous, en France, puis le SMS a une popularité folle, ça fonctionne super bien. Est-ce que c'est le genre de nouveaux canaux qui vont être exploités? Oui. À cause en conséquence à la crise, peut-être. Puis si c'est le cas, mais ça va être le parfait moment justement pour évaluer qu'est-ce qui fonctionne le mieux là, avec ouais, puis... selon l'objectif de ta communication, d'aller chercher le canal qui est le meilleur aussi, et par rapport à tes cibles, il y a des SMS qui peuvent très bien fonctionner pour certains cas d'alerte ou de rappel de dates importantes, des choses comme ça. Ça peut très bien se faire via un SMS. Tu n'es pas obligé toujours d'aller vers le courriel, mais c'est d'aller adapter selon ta cible, selon le message que tu veux passer. Oui, ouais, je suis absolument d'accord. Puis je pense qu'ultimement, oui, tout le monde fait du email, mais tout le monde est sur Facebook aussi. Tout le monde a un site web. En quelque part, chaque plateforme est adaptée. Moi, oui. J'insiste là-dessus, mais le courriel, j'y crois fondamentalement. Je sais que vous, oui. vous travaillez dans cette business-là, mais moi, quand je parle avec des entreprises, on regarde l'ensemble des outils, je reviens toujours à dire, vous savez que le email, l'infolette notamment, c'est l'outil le plus intime. Ça se rend dans la boîte de réception de la personne, donc il faut traiter ça avec égard, avec un respect, donc de justement pas spammer notre base, mais quelque part, c'est beaucoup plus puissant potentiellement que le post Facebook, Twitter ou Instagram. Donc, chacun a un rôle à jouer. Oui. Mais le email... Mais même en 2020, les statistiques de courriel sont encore les statistiques au niveau de la conversion les plus efficaces. Mm-hmm. C'est sûr que ça dépend des industries, ça dépend des entreprises, mais à la conversion, c'est la chose qui amène le plus d'engagement encore à ce jour. Mm-hmm. Une fois que la personne a ouvert un courriel, déjà là, c'est une grosse étape. Puis après, ben, d'arriver, si nos courriels sont bien montés, puis encore là, le sujet est pertinent, puis l'offre, un rapport, donc une relation, ben, tu sais, intrigue la personne ou fit avec ses intérêts, ben pourquoi pas. Puis ça m'amène, j'ai une petite réflexion aussi, je pense pas que, parce qu'on est en temps de crise, que les gens ont perdu leur intérêt qu'ils avaient avant. S'il y a des gens qui sont intéressés dans le vélo, par exemple, Sophie, c'est une grande une adepte de vélo, ben tu sais, même si on est en temps de crise, ça l'a pas arrêté, ces choses-là. Moi, par exemple, une de mes passions, ben, je suis quelqu'un qui aime beaucoup le linge, ben, je regarde encore ça. Fait que faut pas non plus se dire que ce genre de probablement segmentation-là, si vous l'avez fait, est terminé. C'est pas ça. Je garde mes segments qui ont probablement encore mes bases de données probablement qui fonctionnent encore, mais c'est plus comment est-ce que je modifie mes communications pour que ça fitte avec ça, avec cette nouvelle réalité-là. D'ailleurs, différents canaux, il faut juste faire attention de bien adapter les messages aux différents canaux. Quand on parle de personnalisation, il y a la personnalisation par rapport à la personne, puis il y a la personnalisation par rapport au canal aussi.
tu peux avoir la même offre, mais je ne t'en parle pas de la même façon selon le canal. Fait que ça va être encore plus important de penser, d'avoir cette réflexion. Exact. Il faut avoir une certaine variété. D'ailleurs, Voyage en direct, lui met un commentaire super pertinent, dit « L'un des avantages du marketing par courriel, c'est qu'on ne dépend pas d'un algorithme qui va choisir s'il va diffuser ton contenu ou non. » Alors, oui, il peut y avoir, bien sûr, il peut y avoir des serveurs qui bloquent des contenus ou autre, mais le pourcentage de délivrabilité et en général, les taux d'ouverture sont nettement plus... Tu fais attention à tes objets, tu fais attention à tes contenus, écoute, il n'y a pas de problème. Oui, je me permets d'ailleurs de mentionner sur le site frédéricgonzalo.com, là, j'ai un webinaire d'une heure sur le sujet des 10 étapes pour livrer un infolettre percutant. Donc, j'invite les gens à aller visiter le tout. Roxane, Sophie, on a déjà, comme on dit, busté le temps. On se donne habituellement une demi-heure là-dessus, on a dépassé. Je pense qu'on aurait pu jaser encore longtemps. Merci pour vos lumières. Dialogueinsight.ca.com? .com. Donc, si jamais on veut vous contacter, vos coordonnées sont là. Sinon, on les mettra sous le fil. Je vous remercie vraiment énormément de votre générosité et vos insights de dialogue aujourd'hui. Alors, bon confinement, bonne continuation. Merci. Merci à tout le monde d'avoir été là. Restez ensemble. Puis une bonne journée à tout le monde. Oui. Salut tout le monde. Bye. Bye.